Salut les amis! Salut à vous! Bon, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'à l'heure où on tourne cette petite vidéo, il y en a pas mal qui ont la gueule de bois. Oui, je pense, oui. Alors nous, ça a été, parce qu'on l'a fait en famille, on n'est pas très, très fêtard, mais quand même ce matin, ça piquait un peu. Je pense qu'on a acheté du vin, chose wow, exceptionnelle ici, parce que le vin est un peu cher en Amérique centrale. Donc on s'est un peu lâché dessus et ce matin, la bouche était pâteuse. Mais bon. En tout cas, on voulait vous souhaiter une très bonne année, pleine de joie, pleine de liens familiaux, parce que c'est important. Plein des meilleures choses, en fait, tout simplement. Pleine d'aventures. Ouais. Vivez votre vie comme vous la voulez, surtout, c'est le plus important. Oui, je crois que c'est la leçon de 2018 qu'on peut se donner, voilà. C'est que ça nous a fait beaucoup de bien de vivre notre propre aventure. Sans s'occuper du regard des autres, en fait. On sait que tout le monde ne nous comprend pas, mais... on vit notre vie à notre manière et en fait c'est tout ce qu'on vous souhaite à tous, vivez là comme vous voulez et puis éclatez-vous dans la vie, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en fait. Hein. Et puis le bilan surtout c'est que on a bien fait quoi, ça fait vraiment un bien extraordinaire, on apprend chaque jour, on a fait des rencontres superbes, on a appris d'autres domaines de travail, hein, tout simplement. On travaille sur beaucoup de choses en parallèle, hein. Ceux qui nous suivent le savent. En fait, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, on a avancé dans tout, on est toujours plein de projets, j'aurais tendance à dire presque trop, parce qu'en fait les journées ne sont plus assez longues, mais on s'éclate. Et puis on se forme, c'est-à-dire qu'on apprend beaucoup de choses par la lecture, je crois que j'ai jamais autant lu de ma vie, depuis la seconde où il avait fallu que je lise du Zola tous les mois. Là, je peux dévorer 200 pages en 3 jours, donc j'ai jamais vu ça, moi, ça me... Mais on apprend des sujets très passionnants, on se forme, on apprend de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouvelles façons de penser surtout. Et puis tout ceci aussi parce qu'on a fait des rencontres formidables cette année, notamment au Costa Rica. Oui, pas mal au Costa Rica. Hein, pas mal au Costa Rica, des gens dans ma profession, mais aussi... des parents d'élèves et du coup d'ailleurs je passe le coucou, on leur passe le coucou à Emmanuel et Sandrine, hein. Je vous mettrai un lien en dessous vers leur chaîne YouTube, on a appris quand même beaucoup de choses grâce à eux. Et puis faut dire aussi, on s'est mis beaucoup plus à la chaîne YouTube, on a développé un petit peu plus tout ça, notamment les réseaux sociaux avec Facebook, Instagram et puis... Bon, désolé, c'est la première fois que ça nous arrive, carte mémoire pleine. Donc voilà, donc j'aime bien être coupé comme ça dans mon élan, j'étais parti sur un beau discours et tout. Ça allait durer une demi-heure, donc je vous rassure, en fait, on va prendre, je vais prendre le relais, ça va durer 5 minutes. C'est ouais. Le monde à l'envers. Non, c'est l'inverse. Non, ce qu'on voulait dire, c'est qu'effectivement, on est beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux. Et surtout, la grande nouveauté, c'est que ça y est, on a notre site internet. Donc là, on est en train de le mettre à jour, il est en ligne, donc n'hésitez pas à... Vous l'avez là. Voilà. Oh, comment je le fais trop bien. Tu le fais trop bien. N'hésitez pas à y aller voir, là on va le mettre à jour. On a un peu plus de temps, on va en profiter pour le mettre à jour, il va y avoir des grosses mises à jour. Il va y avoir pas mal de choses dessus, donc on va parler bien évidemment de nos voyages. Donc Costa Rica, c'est pas mal à jour, hein. On a fait un bon résumé. C'est quasiment fini le Costa Rica. Ouais, on a fait un bon résumé. Nicaragua, on va vous résumer le début et après on va vous mettre bien évidemment, on prendra le temps de faire des articles plus détaillés. Là pour l'instant ça sert à rien de faire ça pour ce qu'on a déjà vécu parce que... c'est des choses qu'on écrit en général sur le moment, avec les émotions du moment, et sinon on en aurait en plus pour un an avant de tout faire. Donc voilà, il va y avoir des petites recettes classiques de cuisine, il va y avoir nos formations, parce que ça fait partie de nos... ça fait partie des choses que l'on fait. Et que l'on développe. Quoi d'autre? Une petite carte avec du monde, avec notre itinéraire, donc ce qu'on a déjà fait. Oui, ça y est, c'est fait, voilà. Je l'ai mise en place. Logiquement, elle est même à jour. Oui, elle est à jour. D'ailleurs, vous verrez que dernièrement, nous sommes allés à Granada. Ce sera d'ailleurs la vidéo de dimanche où on a fait tellement de vidéos au final qu'il a fallu que je fasse en plusieurs parties. C'est ça. Mais vous allez voir que Granada, c'est vraiment top. Enfin bref, vous verrez ça dimanche. C'est la prochaine vidéo. Ouais. Donc, on met pas... je ne sais plus où est-ce qu'on en était. Ok, bon, c'est les effets de la drogue qui s'estompent. Donc, par contre, 2019, il va y avoir beaucoup de choses au programme parce que déjà, on a pas mal de projets qui sont en cours. Alors, on ne va pas tout vous dire parce que l'intérêt, c'est de vous garder aussi en surprise. Ce sera des projets personnels et professionnels aussi. Oui, avec des voyages, ça c'est certain. Il va y avoir pas mal d'heures d'avion. Voilà. Et puis, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se développer sur Internet, notamment avec les réseaux sociaux. Au niveau professionnel, tout simplement, on se spécialise dans certaines choses. Enfin, voilà,
on développe pas mal de choses. Alors, voilà. on nous a souvent parlé pourquoi vous avez comme ça changé au fur et à mesure de mentalité. Mais tout d'abord, les bonnes rencontres. Hein. On va continuer sur cette dynamique-là, à se motiver, à lire, surtout à se former. Donc, je vous mets au fur et à mesure les livres que l'on s'est mis à lire et qui nous changent pas mal la mentalité maintenant. Ouais, moi, ce que je voulais quand même préciser, c'est que Julien parle beaucoup du fait de changer de mentalité. C'est pas changé, hein, on fait pas un 360 degrés. On était déjà sur la route 2. Voilà. C'est important. On avait déjà, on sentait déjà un petit peu à part de notre mentalité, en fait, quand on était en France. Souvent, on ne pensait pas comme les gens, on n'avait pas envie de vivre de la même manière. Et du coup, on n'osait pas en parler de rien parce que les gens ne comprennent pas. Et en fait, ce qu'on a compris, surtout, je crois, en 2018, je crois que c'est vraiment peut-être le plus important de tout. Ça a été le déclic. C'est le déclic. Et surtout, c'est qu'il faut arrêter de se dire, oui, mais les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais zut, en fait, on ne vit pas pour les gens, on vit pour nous. Et si on veut être heureux, il faut vivre pour nous. Et en fait, je crois que c'est le plus important, c'est ça. Vivez que l'on vive pour nous, et puis voilà, c'est ce que l'on vous souhaite à tous. Et puis ça, c'est quelque chose qu'on a compris à travers certains bouquins, mais qu'on a compris également avec d'autres chaînes YouTube, hein, qui nous le prouvent finalement qu'on est dans cette bonne dynamique. Et on n'est pas les seuls. Voilà, on n'est pas c'est les seuls. Enfin, on donne l'exemple, hein, la Family Cost, la Family Ross, il y a une autre chaîne YouTube, En avant les loulous, qu'on vient de connaître, ouais. ils sont géniaux, quoi. Moi je trouve ça super de... Voilà, on a un esprit, on veut faire ça, on le fait, on se donne les moyens pour y arriver, quoi. Et surtout, il n'y a plus l'excuse, oui, on a des enfants, on est bloqué, parce que ça, même nous, on se l'est fait. Hein, par contre, grosse étape de 2018, on a fini les couches. Ah oui, nous n'avons plus d'envêtements avec les couches, et ça, ça. Oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça a été assez compliqué, mais on y est arrivé. Ouais, on en pouvait ça plus. Y est, ça c'est une bonne chose de fait. Donc c'est vrai que mine de rien. C'est une étape supplémentaire vers un petit peu la liberté pour bouger, parce que c'est vrai, quand il y a les couches, c'est jamais facile. En 2019, on a aussi ça, c'est assainir autre chose, assainir les comptes, pour finir avec les éventuels crédits, tout ça. Ouais, et puis notre vie sédentaire en France, en fait. Oui, voilà. Et puis, tout simplement, avoir une mentalité différente sur la façon de gagner son argent et la façon de le dépenser, surtout. Et donc voilà, il va y avoir beaucoup de changements, donc n'hésitez pas à nous suivre vraiment à chaque fois, n'hésitez pas à nous poser des questions, à mettre des commentaires, parce que l'année 2019, je pense, ça va être un grand cru en ce qui nous concerne. Si jamais vous voulez un peu plus de vidéos sur notre démarche zéro déchet, minimaliste, c'est un bien grand mot, parce qu'on n'est pas non plus à... C'est vraiment, comment dire ça? Alors, on essaye de tendre vers le fait de moins posséder. Voilà, moins posséder, tout simplement. Après, on reste des moins êtres humains. Moins de matériel, plus de vécu. On reste des êtres humains, c'est-à-dire que moi, demain, on me dit, on va faire une virée shopping, je suis désolée, mais j'y vais, quoi. C'est, voilà, oui. Et quelle carte bleue? La tienne, mon cœur. Super. N'empêche que les placards sont beaucoup plus vides qu'avant, on arrête de garder, si on veut plus, on donne. Je crois qu'en fait, on n'est même plus dans la démarche de vendre ou quoi que ce soit, il y a toujours des personnes qui ont besoin, qui n'ont pas les moyens d'acheter, donc on donne. On donne aux personnes. Et ça fait plaisir, donc, et pour nous et aux personnes qui reçoivent, donc voilà. Les maisons, on prend le minimum, je crois que là, 2018, quand on est parti, ça a été la totale. Et on vous réserve un petit truc d'ici quelques jours, on fera une vidéo là-dessus d'ailleurs. Oui, voilà. Il va y avoir du gros changement là-dessus aussi. C'est ça. Bon, on va arrêter, sinon la vidéo va durer une demi-heure à cause de toi, comme je te l'avais dit. Tu parles, toi, c'est impressionnant, hein. Oui, quand tu es lancé, ça n'a pas changé. On a changé de continent, mais elle parle toujours autant. Bon, en tout cas, les amis, tout ce que je vous souhaite, c'est la plus belle vie. Vivez votre vie, éclatez-vous, aimez-vous, et puis c'est tout. On a oublié un truc. Vous nous mettez un j'aime, et puis vous on vous s'abonne. Voilà. Et puis la petite sonnette, si jamais vous voulez recevoir. On voit pas mes mains en fait quand je fais les signes. Parce qu'il faut les lever en fait. C'est ça. Et puis surtout, n'hésitez pas, là, vous allez voir la première vidéo avec le générique que l'on a créé. Yes. N'hésitez pas à commenter en me donnant votre avis, parce que bah, voilà, j'ai mis pas mal de temps, mais d'avoir des avis des gens, ça fait toujours plaisir de savoir si ça vous plaît ou pas. Et partagez aussi. Partagez surtout notre page. Enfin, voilà. On a besoin de vous, de développer cette chaîne YouTube. En un an, on est quand même arrivé à presque 200. D'ailleurs, ce serait bien que les 200 soient franchis très bientôt. Pour le premier de l'an. Pour le premier de l'an, par exemple, ce serait bien. Enfin, c'est un peu tard maintenant, parce que le premier de l'an, il est passé. Mais on vous dit à très bientôt. Merci encore pour votre suivi. On vous adore. Et puis, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos et de nouvelles aventures. Salut, ciao. Les amis.